Bonjour à tous, bienvenue au Repêche de Solo. Aujourd'hui, c'est ce petit jeu qu'on va découvrir, ce jeu qui s'appelle Colossus. Donc, petite boîte, jeu de Yosef Fary, que j'ai un auteur français que j'aime très, j'aime beaucoup, beaucoup. Pour l'instant, c'est mon le jeu favori de cet auteur-là, pour moi, c'est ce jeu-là. Donc, je vais une partie sur la chaîne de Road. Quel beau jeu, mais très brutal, mais tellement de plaisir à jouer à ce jeu-là. Donc, j'espère que ça sera pareil avec celui-ci. J'ai vu une partie sur un autre site, donc je sais un peu de quoi qu'il en retourne, mais bon, quand j'ai vu ça, j'ai dit absolument que je contribue à sa campagne Kickstarter. Donc, un petit livret d'instruction, très très simple, et des cartes, on dirait que c'est presque la grosseur d'un paquet de cartes pour jouer 52 cartes, on dirait. Donc, première carte, celle-ci, c'est la carte de notre personnage, avec deux échelles, à gauche et à droite. Donc, une échelle qui monte et une qui descend. Ça serait l'échelle des points de dommages, de dégâts qu'on fera au colosse, le colosse qu'on grimpe. Donc, le but du jeu, c'est effectivement de réussir à monter ce colosse et de porter un coup final. Un peu comme le jeu vidéo Shadow of the Colossus pour PS2, même sorti sur PS3 aussi par la suite. Donc, les points de dégâts qu'on fera au monstre et ici les points d'agrippement. Donc, il faut si notre personnage tombe ici en bas de 1, c'est qu'il a perdu prise et la partie se termine. Donc, ça, cette carte-là, on va la mettre de côté. Ces deux cartes-là, c'est les flèches qu'on va mettre ici. Donc, ça va servir à marquer la progression de ces deux valeurs-là. Donc, on va les commencer tous les deux au début, en haut de la... En haut, je peux même les mettre en haut ici. C'est même... on va les avoir toujours à l'œil. Donc, ça, c'est pour le personnage. On a une autre carte ici. Ça, c'est une carte qui va être en dessous d'un autre paquet qui va indiquer quand on va être rendu cette carte-là, soit qu'on perd un point de dégâts, donc c'est comme si la colosse reprenait de la vie, ou on perd un point d'agrippement. Donc, à toutes les fois qu'on passera travers les cartes, qu'on renouvelle le paquet, donc on aura cette pénalité-là à faire, donc à faire attention. Et ça, ici, on a un beau... c'est moi les sortir, donc... On a des cartes, je ne sais pas comment ils appellent, des cartes d'action, hein, qu'on appelle ça dans le jeu. Des actions et des actions avancées. Les actions avancées ont un dos différent, donc, et voilà, donc il n'y a que 6 cartes d'action avancées. Donc, c'est que les cartes, on voit, c'est même que. Bon, chaque compte, je peux vous en parler immédiatement. Ici, bon, on a les 4. Donc, ça, c'est une compte qui nous permet de progresser sur le monde, le colosse. Donc, quand on réussit à adresser le défi d'avoir le nombre d'icônes de celui-là, qu'on verra sur les cartes du colosse, on pourra passer à la prochaine, et qui veut dire qu'on aura réussi à saisir plus haut. Ça, c'est une carte d'agrippement, donc il faut réussir le défi d'avoir le nombre d'icônes requis de celui-là pour maintenir notre prise sur le colosse. Ici, une carte d'attaque. Ici, une carte, ouais, c'est un plus 2, une carte de, bon, comment on l'appelle celle-là, de carte bonus. Donc, c'est en réussissant d'avoir le nombre requis de cette icône-là qu'on pourra chercher des cartes d'action avancées. Donc, ces cartes-là, je les brasse et je les mets de côté. Donc, le but, évidemment, c'est de toutes les acquérir, puisqu'ils ont quand même des effets très, très intéressants comparé aux cartes d'action qui sont pas toutes très... Les cartes d'action de base qui sont pas nécessairement toutes très, très belles. Je vous en montre une, la première, hein, évidemment. Regardez, c'est toutes des moyens. Donc, on s'entend que moyen, ça, on va pas gagner très, très fort avec ça. Donc, ça, c'est des cartes qu'il faudra cacher le plus si possible. Il y en a quelques-unes qui ont 2 moins 1. Vous voyez, c'est toutes des combinaisons d'icônes comme ça. Donc, ça aussi, on va les brasser. Et dans chaque manche,
Chaque tour, on aura à composer avec 4 cartes et faire des combinaisons pour réussir le défi. Le défi de ces cartes-là, que... Bon, moi, je les appelle les cartes colosses, mais ça a peut-être un autre nom. Ouais, les cartes colosses. OK. Ça, c'est la carte, en passant, la carte de mon personnage. Mon personnage s'appelle Netopha, là, dans ce jeu-là. Bon, ici, les cartes colosses, c'est OK. On voit bon, comment ils sont faites. Donc, ici, bon, pour si on veut faire un point de dégâts au colosse, il faudra qu'on réussisse à rassembler 3 icônes d'attaque. Et c'est ici qu'on voit qu'il y a une petite carte avec un barré. Ce que ça veut dire, c'est que si on réussit ce défi-là, ben, on peut se jeter une carte qui est en jeu. Une des cartes en jeu, on peut, pour plus de la faire, on peut la défausser. Donc, c'est un peu notre deck. Donc, si c'est 4 points d'agrippement qu'il faudra maintenir, 3 pour perdre ici en agrippement, 3 icônes de bonus pour aller chercher une carte d'action avancée, et 3 icônes avec la flèche vers le haut qui fait dire qu'à toutes les fois qu'on fait ça, ben, on passe à la prochaine carte. Donc, ces cartes-là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 cartes qu'on devra, donc 11 étapes qu'on devra franchir avant d'être rendu tout en haut du colosse et lui porter le coup final. Donc ça, c'est brassé. On peut les mettre ici. Le coup final, ben, ça va être ça. Donc ça, je vous dis, il y a cette carte-là que je mets en dessous, ici. Comme je disais tout à l'heure, quand on prend 4 cartes à chaque tour, donc quand on sera fait au bout du deck, ben, on va le piquer à l'effet qui est ici, puis on brasse et on commence. Donc, faire attention, pas brasser très doucement, mais bon, on n'a vraiment pas le choix de passer. Donc, le coup final, c'est ces 3 cartes-là. On va prendre une au hasard, et on verra si on s'y rend là, je peux vous expliquer comment ça fonctionne. Moi, même si je ne me rends pas, je prendrai la carte et vous expliquer comment ça aurait pu fonctionner le coup final. Comme tous les jeux de Yasuo Safari ne sont pas nécessairement très faciles. Donc, on en prend une des 3. Les 2 autres, on les met de côté et on les met en dessous ici. Donc, ce sera notre dernière carte de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, 12 étapes pour vaincre ce géant. Et c'est tout. C'est la mise en place est aussi simple que ça. C'est vraiment très, 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 très facile. Comment se déroule le jeu maintenant? Bon, la première carte, on va toujours la prendre. Je dis qu'on prenait 4 cartes tout à l'heure, mais la première de ces cartes-là, on la prend et on la dépose carrément ici, en plein milieu de la... Comme ça. On la met là, puis on ne peut pas y toucher. Elle reste comme ça. Et on prend 3 autres cartes. Et aussi, on va, avant de les garder, on va prendre la première des 4 colosses et on la tourne de côté. Donc, on voit que, bon, 3, pour continuer la progression, ça va me prendre ça, 3. Donc, c'était, juste vous dire, c'est impossible de réussir tous les défis en même temps, la carte, parce que si on additionne les 4, 4 et 4, 8 et 2, 10 et 3, 13, il faut 13 icônes pour... Sur cette carte-là, il y a un nombre de 13. Et quand on va placer les 4, on ne pourra pas faire 13 icônes. On ne pourra pas faire 13. Donc, ça va vraiment être compliqué pour cela. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on garde nos 3 autres cartes. Bon, là, une carte sur le tessu. On a déjà une... On voit déjà que... qu'on ne pourra pas réussir l'attaque. OK. Déjà. Facile à voir parce qu'on a besoin de 4 en attaque. On a moyen ici. J'ai 1, 2, 3 et un autre moyen. Donc j'ai moins 2, moins 2, moins 1. Donc j'ai 1 en total en attaque. Donc c'est ça, je n'irai pas tout faire pour essayer de gagner d'attaque. Hein. Je suis capable de. Le bonus, je peux l'avoir. J'ai beaucoup de bonus. J'ai 2 ici, 2 là, 1 ici. Donc j'ai beaucoup d'icônes bonus. Donc je pourrais aller sur une carte d'action avancée. Et malheureusement, je vois que même pour l'agrippement, je vais perdre. Je perds parce que, ben, je perds des points d'agrippement parce qu'on voit qu'il y en a 2 ici. Moins 1, ça fait 1. Et ici, il n'y en a pas. Donc l'attaque et l'agrippement, ça ne fonctionnera pas. Et même, là, c'est vraiment des cartes pourries.
Parce que même la progression, je ne l'ai pas. Ça prend 2 et ici, on a moins 1. Donc, je suis sûr pour cette carte-là de vraiment pas être capable de faire ça. Lui non plus. Lui non plus. Le seul que je sais que je pourrais compléter, c'est ici. Donc, c'est dommage. Je vais perdre des points et tout ça, mais bon, on va faire avec. Donc, ce qu'on fait quand on pose les cartes, c'est que chaque carte va être posée verticalement. Premièrement, on ne peut pas mettre une carte comme ça, verticalement. Et à chaque fois qu'on la pose, on doit couvrir deux espaces. Que ce soit deux comme ça, ou deux comme ça, deux comme ça, ou deux comme ça. On va couvrir deux absolument. Donc, à toutes les fois. Donc ici, je disais, moi, ce qui m'importe, c'est d'avoir des points de bonus, mais là, je vois que je n'aurai pas le choix d'en couvrir un, donc je vais couvrir lui, ça n'a pas d'importance, parce que je sais que j'en ai plus que deux, de toute façon. La troisième carte, ben, regardez, j'ai aucun effort à faire pour cette... je vais faire d'autres combinaisons pour vous montrer, donc je peux mettre ça ici, comme ça. Je couvre deux espaces. Je ne pourrais pas le mettre comme ça. Non, ça couvre un espace seulement. Donc, deux ici. Et l'autre, regardez, deux comme ça. C'est tout simple. J'ai quatre icônes bonus. Mais on a vu que les autres, on ne pouvait pas les réussir. Donc, ça, c'est complété. On met de côté. Donc, je me prends une carte action avancée. On la prend et on la met sur le dessus. Donc, c'est elle, notre première carte qui va être ici. Et là, je vous dis que j'ai perdu un bois d'agriffant, donc je descends la flèche ici à 7. Donc ça commence à craindre. En réalité, avant le coup final, là, notre but, là, c'est d'être le plus haut ici et le plus bas ici. Vraiment. OK, première carte, celle-ci. Donc, on voit que je dois... c'est intéressant pour l'attaque et le bonus. J'ai déjà peut-être capable de lui faire perdre un point d'attaque. Et trois autres cartes. Bon, là qu'on attaque, ça va aller, c'est sûr et certain. En agrippement, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je l'attaque, l'agrippement, ça va. Le bonus, je ne peux pas, je n'ai qu'un icône bonus, donc ça ne fonctionnera pas. Et le progresser, sur le, et même la progression, je ne peux pas, ça me prend 3, j'ai 1 ici, moins 1, donc ça fait 0, puis j'ai 1 là. Donc, le seul que je peux réussir, c'est l'attaque et l'agrippement. Bon, au moins. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'agrippement, je vais pouvoir me débarrasser d'une carte. Il est fort possible que je me débarrasse de celle-ci, qui a des moyens. OK, l'attaque. Donc, l'attaque et le bonus. C'est encore une fois dommage parce que c'est... Non, l'attaque et l'agrippement, je disais. OK, bon, maintenant, ces deux-là, je veux qu'ils restent... Qu'il reste dégagé. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Je vous disais que... OK, comme ça. Le bonus. Ah oui, je pourrais avoir le bonus aussi. OK. Donc, peut-être me mettre comme ça plutôt. Non, je ne veux pas cacher le bonus. Ah là là, c'est cacher le bonus ou cacher l'attaque. Qu'est-ce que j'ai assez d'attaque sans le bonus? OK, si je cache l'attaque plus 2, qu'est-ce qui va se passer? C'est vraiment un casse-tête, hein, ce jeu. Là, je ne peux plus cacher des points d'attaque. Là. Sinon, ça ne fonctionne pas. Si je mets ça comme ça... Et comme ça... Ah non, à cause du moyen ici. Ah là là. OK. Je vais mettre donc lui ici. OK, le moyen, il est caché. Lui, ici. Ah non, il faut absolument que celui-ci soit des voix, soit... Ouais, là, j'ai pas le choix de faire un choix. Le bonus, je pense qu'on va le laisser faire. Hein. On va laisser tomber le bonus. Donc, comme ça. Ah, lui, il faudrait que je trouve un moyen de le sortir. Si je me mets comme ça. Là, j'ai un agrippement, je suis bien. J'ai 3. Ah, OK. Là, je pense que comme ça fonctionne. Bon, j'ai pas le bonus, mais j'ai 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Bon, là, j'ai l'attaque et l'agrippement. Donc, ça fonctionne pour les deux premiers. Mais je suis encore pris sa première carte. Hein. Je n'ai pas avancé. C'est ça que je trouve dommage. Bon, au moins, je pourrais me débarrasser d'une carte. Donc, j'ai réussi l'attaque et l'agrippement. Je peux me débarrasser d'une carte. Ça va être cette carte-là que je mets de côté. On ne la reverra plus. OK. Mais j'ai pas encore avancé. Je suis encore avec cette carte-là. Ça, j'aime moins ça. Première carte, bon, avec une carte avec des négatifs. 1, 2, 3. Là, il faudrait que j'avance. Et, oh, j'ai une belle carte ici qui a 3 d'avance, mais j'ai 2. Bon, j'en ai 2. Oh my God. Ouais, ça va être difficile à cacher. J'en ai besoin de 3. Comment faire? OK, non. Je vais... 4 d'agrippement. On s'entend que l'agrippement, je l'ai pas. J'ai 1. Ouais, faut que je change de carte. Absolument, c'est mortel, celle-là. C'est vraiment... Il faut que j'avance. Donc, je vais sacrifier le... Je vais tout sacrifier juste pour avoir les fameuses... tiens, regardez, tout simplement comme ça. Tout simplement comme ça pour avoir les 3 flèches pour sortir de ce carte-là merdique. Là, vraiment, 4 d'agrippement, c'est sûr que je ne réussirai pas tous les coups à maintenir à avoir ça. Donc, ça m'a déjà fait perdre 2 points. Bon, en tout cas, j'ai les 3. L'attaque, c'est sûr que j'ai rien du tout. Est-ce que je pourrais avoir le bonus? Non. Non, parce que, ouais. Bon, OK. Donc, l'agrippement, j'ai pas. Donc, je perds un point ici encore. Je tombe à 6. Bon, au moins, j'ai réussi ça. Et je me débarrasse. Non, j'ai pas eu ça. Okay. Donc, la prochaine carte. Bon, prochaine carte. Oh, ça me semble plus facile, celle-là. Plus facile. Tantôt, j'ai eu l'attaque, me semble. Oui, j'ai même pas baissé ici. J'ai un point d'attaque, j'ai oublié de la prendre. OK, bon. Ça devrait bien aller. En tout cas, c'est facile d'avancer. Donc, c'est... Ouais, ça, j'aimerais bien avoir les 3 ici. Ou les 3 là. En tout cas, au moins d'avoir 3 sur 4. Donc, allons-y. Première carte. Bon, une carte intéressante, là. Ouais. Qu'est-ce qu'on va avoir? Carte avec, ouais, ou moins 1 ici, encore des moins 1. Hmm. OK, à l'attaque, ça me prend 4. J'ai 1, 2, 3, 4, moins 1. Mais je vais cacher une icône d'attaque, donc c'est sûr que de toute façon, l'attaque, je ne l'aurai pas. Je ne peux pas l'avoir. L'agrippement, j'ai moins 1, moins 1. Mon Dieu, même l'agrippement, je ne peux même pas l'avoir. Ça, c'est mortel. OK, cette partie-là est perdue d'avance, là. Évident. À moins d'une chance incroyable. J'ai 1 ici, moins 1, et c'est tout. J'ai aucun autre agrippement, donc c'est vraiment pourri. Encore une carte que je peux mettre. Ah, ça aurait été bon. Au moins, j'aurais pu au moins être capable de me débarrasser d'une carte, mais j'ai même pas ça. Ah là là, c'est vraiment dommage. Il y a quelque chose que je peux faire dans les. Pétopolis. Ouais, on peut faire il y a un pouvoir ici, on peut faire un pouvoir au début de l'étape 4 d'un tour de jeu. Vous pouvez utiliser le pouvoir d'état folle, d'être un sacrifice. On doit perdre un affaiblissement du colosse au niveau d'agrippement. Et on joue une carte action, mais bon, c'est un peu risqué. Même très risqué. Je peux même pas avoir 3 bonus, c'est vraiment pourri. Non, mais ça, c'est plus que pourri. Plus que pourri. L'attaque, c'est sûr que je peux pas l'avoir. L'agrippement, c'est sûr que je peux pas l'avoir. Le bonus, c'est sûr que je peux pas l'avoir. Fait qu'il me reste. Ah, le bonus, je pourrais l'avoir. Ok, ouais, les 2 ici. Non, c'est 3. Donc, je vais me sauver de là. Je vais grimper. C'est tout ce que je peux réussir. Donc, j'ai même pas à me casser la tête. Là. Regardez, c'est aussi simple que ça. Je m'en vais tout de suite faire une. Faire une rangée vers la droite. Là, j'ai 4 flèches, mais j'en ai besoin de une. Mais encore une fois, ce qui est vraiment pourri là-dedans, c'est que je descends de 1 encore. Bon ben. Que voulez-vous? Oh! Oh! Ça c'est difficile. 7 et 3 trains. Ouais. Ça sera pas de la tarte. OK. Bon. Une belle carte, mais on va la cacher.
On est presque rendu à la fin. Ouais. Bon, mais la plus pourrie de toutes. Ça n'aurait pas pu être elle en dessous. Ça aurait été vraiment mieux. Je l'aurais pu la cacher au complet. Mais là, je suis. Ouais. Trop d'attaque. Je peux même. Ouais, trop d'attaque. Je peux pas faire trop d'attaque de toute façon. Ouais, je peux le faire peut-être. Est-ce que je peux faire 4 d'agrippement? J'ai moins 1. Je peux pas le faire quand même. Oh, ouais, c'est vraiment pas évident. J'ai rien, mais pourri. Regardez ça. J'ai même pour avancer, j'ai moins 1, 1, moins 1. J'ai 0 pour cette icône-là. L'attaque, ça va. J'ai 1, 2, 3, 4, moins 1, 3. L'agrippement, non, pas capable non plus. Puis les. Non, ben là, j'ai vraiment des combinaisons à mourir. Donc, tout ce que je peux réaliser en même temps, c'est l'attaque. Bon, ben, on va là faire l'attaque. C'est tout ce que je peux faire. Bon, ben, regardez, l'attaque tout simplement comme ça. Hein. Je ne vais pas me concentrer trop. Dans ce temps-là, regardez, 1, 2, 3. On va la faire comme ça. Mais je peux me débarrasser d'une carte. Oh oui, ça, OK. OK, intéressant. Le bonus au moins là-dessus, c'est que je peux me débarrasser d'une carte quand j'attaque de 3. Donc, je vais me débarrasser, croyez-moi, de celle-là. Hein. OK, bon. Mais je perds encore de l'agrippement. Là, celle-là, je pense que ça se termine pour moi très bientôt. Je tombe à 4. J'ai fait un seul dégât. Première carte, celle-ci. 3. Hey, j'ai 4 bonus. J'en ai eu seulement une. OK, wow. C'est brutal. Je pense que ma première partie était vraiment pas aussi comme ça. Hein? OK, bon, le bonus, je peux. Non, je peux pas l'avoir. J'ai 2, moins 2, 0. Avancer, j'ai 2, plus 4, OK, je peux avancer. L'attaque, j'ai 2, 3, moins 1, ça fait, je peux pas. L'attaque, c'est pourri. Et l'agrippement, j'ai moins 1. Ah, encore une fois, non, mais c'est ridicule, là. Tout ce que je peux faire, c'est avancer. Ah, non, ben c'est plus que pourri, croyez-moi. Bon, okay, je vais les mettre aussi. Je n'ai même pas à me casser la tête de faire des combinaisons à tout casser. Je peux juste réussir un sur les. C'est vraiment pas de chance. Hein? Bon, ben j'avance, là, j'ai 3. Mais encore une fois, je glisse. Je ne fais que ça. Ben là, la partie est perdue, croyez-moi. C'est évident que je ne pourrais pas terminer. Là, j'ai plus que 2 cartes et je tombe ici, en plus. Donc, je redescends encore d'un. Oh my God. Là, je brasse et j'espère obtenir une bonne carte. Mais non. C'est vraiment pas la partie que j'avais l'intention de vous proposer aujourd'hui. Mes parties pratiques hier étaient vraiment différentes. Là. Quoi que la passe n'a pas été à mon avantage. Vraiment pas. Donc, ça par-dessus ici. Bon, les 3 belles cartes que j'ai, c'est quoi? Pourri. Bon, ben encore plus pourri que je pensais. Mais au moins, je peux, pour l'agrippement, je vais être bien. Mais aucune icône de flèche pour avancer. OK, bon, ben, je vais me tenir après. Je vais me tenir après lui, puis c'est tout. Hein. C'est tout ce que je peux faire. L'attaque, j'ai 2, moins 1, non, c'est donc pourri. Donc, tout ce que, encore une fois, je ne peux que réussir que un des quatre défis. Un, seulement un. C'est ridicule. Ridicule, croyez-moi, quand je vous dis ça. OK, on va mettre comme ça. Ici. Hein? On n'est plus qu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6. En voulez-vous de l'agrippement? Ils sont tous en. C'est vraiment pas bien brassé. Donc, je reste là, sans plus. Et voilà la carte qui s'en vient. 1, 2, 3. Oh, j'ai une carte avancée. On voit le dos ici de la carte. Bon, qu'est-ce que je peux faire? J'ai encore des moins 1 ici. Mais j'ai des plus 2 aussi. Bon, là, je pense que ça peut être. Oui, l'agrippement, j'ai 1. 0, 2, 3. Non, encore une fois. Ah, ben là, OK, on peut dire que c'est perdu. Parce que dommage, c'est que l'agrippement, on ne peut pas en gagner. Quand on glisse, c'est tout. Hein.
Donc, c'est sûr et certain que ma partie se termine au prochain coup, puisque je n'ai que 2 en agrippement. 1, 2, 3, plus moins 1. Oh là, c'est pourri. J'ai le bonus. J'ai la flèche peut-être, oui, pour avancer, et j'ai l'attaque. Bon. Mais je peux pas, non. Je peux pas parce qu'il y a une des deux flèches qui va être cachée. En cachant une, il m'en reste plus qu'une. Donc, ça fonctionnera pas. Donc, je vais mettre ça comme ça. Trop d'attaque. Hein? J'aimerais bien ça y en faire, de faire des dégâts un peu. Bon, comme ça. Et comme ça, tout simplement. Tout simplement comme ça. Donc, 2 d'attaque, 3, 4, ça fonctionne. 3 bonus, ça fonctionne. C'est tout ce que je réussis. Donc, je réussis mon attaque et j'ai la l'icône de carte que je peux défausser. Donc, on va défausser cette carte-là. Car il y a des moyens dessus. J'ai réussi mon attaque. Donc, c'est mon... Ah non, c'est mon... Encore une fois, j'ai oublié de prendre mon point d'attaque tout à l'heure. Oh là là. Et j'ai réussi mon bonus. OK. Et j'ai perdu un point d'agrippement. Et je suis presque mort. Presque mort. Et, oh, une carte. Ouais, ben. Est-ce que ça va me servir? Est-ce que j'aurais réussi à en avoir 4? Ben non, regardez-moi ça. J'ai 4 ici, mais moins 1, ça fait 3, plus 1, 4, mais comme je suis toujours en caché 2, ben j'ai 1, puis plus 1, 2. Donc si je perds maintenant ici avec une belle carte de 4 agrippements, mais que je peux pas utiliser, je peux rien faire avec, que je suis obligé de la cacher en partie. C'est vraiment pourri. C'est pour ça qu'ils nous demandent de la mettre au-dessus du deck quand on a une, pour faire sûr qu'on n'a pas tous les effets de la carte bonus. Ben là, j'avoue que c'est une partie pitoyable. Pitoyable, puisque je peux même pas. J'ai pas d'attaque. J'ai 1, moins 1, moins 1, donc aucune attaque. L'agrippement, ça fonctionne pas non plus. Le bonus ne fonctionne pas non plus. J'ai 1, 2, 3, moins 1, moins 1, 2. Et les flèches, aucun icône, je peux obtenir rien du tout avec ça, c'est fou. Mais ok, il fallait vraiment que je tombe sur une partie pourrie, que je vais laisser sur la chaîne, cette défaite humiliante là, je la laisse là, pour vous montrer que c'est pas toujours très jojo les parties, mais gardez-moi ça. Ben oui, ça on la compte pas parce que j'en cache 2, ben là, 2 ou 2, peu importe lesquels 2 là, mais je peux rien réussir de tout ça. L'attaque c'est pourri, hein, on la voit bien. Le bonus, c'est 2. C'est lui, l'agrippement, ça marche pas, il n'y a rien qui fonctionne. Rien qui fonctionne. Ah, en plus, j'avais juste cette carte-là qui est une des pires. Il y en a 2 cartes comme ça. Ben oui. Il y a 2 cartes comme ça dans le jeu. Il faut vraiment. Hein. Bon, je peux réussir aucun défi. Aucun défi, donc je tombe du colosse et il me piétine et je meurs. Bon, écoutez, c'est comme ça. Donc, regardez-moi tout le nombre de cartes qui restaient avant que je puisse rendre jusqu'au bout. Bon, le combat final, on va vous l'expliquer. Je vais l'expliquer plutôt assez facilement. Tout ce qu'on fait, bon, on voit que c'est la carte numéro 5. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Bon, je vais rapprocher le tout pour vous expliquer. Admettons que je m'étais rendu jusqu'ici. Là. Disons que c'était là mon score avant d'arriver ici. Qu'est-ce qu'on prend? On prend cette carte-là et on la met ici. Comme ça. Ce que ça veut dire, c'est que pour le coup final, je dois prendre 7 cartes. Il y a un 7 ici, 7 cartes du deck. J'ai oublié le dernier. Je vais avoir 5 icônes d'attaque. Éventuellement. Et l'autre petit, c'est l'agrippement que je dois avoir. Ouais, c'est ça. Oui, oui. Je dois avoir 2 d'agrippement. Donc, dans mes 7 cartes d'attaque,
cette carte d'action que je pioche, je vais avoir 5 icônes d'attaque et 2 icônes d'agrippement. Donc, vous voyez la combinaison. Donc, évidemment, si on a porté peu de coups durant la partie, on va avoir moins de cartes à piocher pour le coup final. Donc, moins de cartes pour avoir le même nombre d'icônes d'attaque. C'est mieux qu'on est bas ici, comme ça. Et plus qu'on a perdu de l'agrippement durant la partie, mais plus que dans le coup final, il faudra avoir de l'agrippement. Donc. Et qu'est-ce qu'on fait après ça? C'est que les 7 cartes, on ne les prend pas et on fait ce qu'on veut avec. Hein? On en prend 7 et on les met toutes une à la suite. Donc on a la première, on prend la deuxième et on doit la placer immédiatement. On ne peut pas prendre toutes les cartes et choisir lesquelles on place. Donc, c'est ça la difficulté. Donc, pour ici, le besoin de la cause, si je voulais, je vois qu'il y a avoir au moins de l'attaque et de l'agrippement. Donc, il faut essayer de ne pas trop cacher. Je peux cacher le moins 1, les gens partant. Troisième carte. Bon, là, c'est intéressant. Je peux la mettre comme ça, parce que les icônes flèches et bonus, on s'en fout. Comme ça, troisième carte. Quatrième carte. Encore de... Là, j'ai un moyen ici que j'aimerais bien cacher éventuellement. Donc, je vais peut-être le mettre ici. Ou le mettre en haut. Ouais. Non, là, je cache. Ouais, parce que là, si je cache lui, c'est évident que je cache lui ou lui. Donc, un des deux. Donc, peu importe, ça ne me sauvera pas. Oh là là. Ça ne me sauvera pas. Ça, j'en ai tiré 4. Plus que 3 autres. Encore une fois, moyen. Donc, vous voyez, ces cartes-là de moyen là, sont vraiment pénalisantes. Hein? Oh my god. Non, mais c'est plus que. C'est pourri, mais totalement. Mais totalement. Wow. Aïe, 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 mais c'est incroyable. Je vais les mettre comme ça, les deux moyens à côté de l'autre. Cinquième, bon, ben, on va cacher ces deux moyens-là. Septième, ben, voilà, et voilà qu'on voyait, comme vous voyez, que j'ai pas réussi, mais pas du tout. Ah, j'ai presque réussi. Ben, j'étais pas loin. Ben non, j'étais pas loin. Ah, peut-être que je l'avais, finalement. 1, 2, 3, 4. J'en avais besoin de 5, puis j'ai 2 points d'agrippement, puis j'en ai besoin de 2. Ben, en tout cas, vous voyez. Mais c'est pas évident, mais c'est tellement pas évident. Mais c'est tellement. C'est simple et c'est simple et c'est plaisant de jouer à ce jeu-là. Même si on gagne vraiment pas souvent, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Les parties sont très courtes. Vous avez vu, c'est à quoi? Ça a duré 30 minutes. Je vous ai expliqué le jeu. On joue une partie, j'ai pris mon temps. Donc, ça peut être des parties très courtes ou très longues, mais croyez-moi, à 3 niveaux, c'était court. J'espérais en faire un peu plus. Hein. Il y a des cartes là, qui sont mieux. Mais c'est toutes des combinaisons, on peut voir, là, c'est toutes des combinaisons qui donnent soit 12 ou soit 13. Comme, ou même 14. Ici, on voit 2 x 4, 2 x 6, 14. On s'entend que ça, il n'y a personne qui peut réussir ça. Hein? Parce que comme je l'ai montré tout à l'heure, on peut faire juste, on les place là, peu importe comment on les place, on peut juste faire 10. On peut juste en placer 10 icônes qui sont visibles. Il n'y a aucun moyen d'avoir plus que 10. Regardez, peu importe la combinaison que vous voulez faire, il n'y aura jamais plus que 10 icônes de visibles en même temps. Donc, c'est évident qu'on ne peut pas réussir. Bon, on peut réussir, oui. On peut réussir quand on a des plus 2, évidemment, des cartes bonus de plus 2. Ben, il faut qu'ils tombent au bon moment. Hein? Sinon, on pleure, puis on passe au prochain. Et voilà, ben, c'était ça le jeu Colossus. Vous voyez. Je ne sais pas si c'est disponible mais en magasin, assurément pas. C'est des campagnes Kickstarter, donc peut-être que l'auteur a des copies d'extra avant, après redorer ses commandes de Kickstarter. Mais bon, pour l'instant, ben, vous voyez, ce jeu est très intéressant et c'est très petit. Ça transporte, écoutez, on amène ça n'importe où, une petite partie, et après ça, on passe à autre chose. Fait qu'on se revoit bientôt pour une autre partie. J'espère que vous avez apprécié. À la prochaine, portez-vous bien.